Et sois la bienvenue, ma magotte. J'ai l'âme d'un poète aujourd'hui. Je te les offre avec plaisir. Oh, merci, Père Pivoine. Si nous allions tous deux en cueillir d'autres, bois joli. Bonjour, mes amis, tournicotis. Disons-le avec des fleurs, tournicotère. Juste le temps de compter, tournicotis. Un, deux, trois. Mon petit Ambroise, ne trouvez-vous pas que ces olifleurs exhalent des senteurs délicates? Ah, ben oui, pour sûr, M. Pollux. Mais, au fait, savez-vous s'il existe des fleurs sucrées, douce reine, mais où êtes-vous passé, cher Ambroise? Oh, ben ça alors, je suis là. Venez m'aider, M. Pollux. Je suis dans un trou. Mais juste ciel! Mais que faites-vous là-dedans? Oh, rassurez-moi, vous n'avez rien de cassé. Ben, je crois que je suis intact. Oh, vous m'imaginez avec ma coquille dans le plâtre? Ah ben, j'aurais l'air malin. Quelle idée saugrenue de creuser un trou ici. C'est dangereux. Tenez, allez, attrapez cette ficelle. Que je vous sorte de cette situation périlleuse. De ce petit monticule, nous pouvons constater l'ampleur de cette fosse. Regardez Ambroise, cela me laisse sceptique. Ah ben dites donc. Eh bien mes amis, vous me semblez intrigués. Ah ben y a quoi? Ah ben je reviens de loin. Ah ben regardez cette empreinte de géant. Eh Tébé, mais effectivement, hein? Ouh, c'est étrange, mais... Je vous rassure, mes amis, les géants n'existent que dans les légendes. C'est certainement une drôle de farce qui vous a été faite. Douce reine, alors, pour une farce, elle est de très mauvais goût. Ambroise a failli se rompre les os. Enfin, c'est une façon de parler. Hello, bonjour vous tous. Ah, je suis heureuse de constater que mes travaux vous intéressent. Oh, si c'est un chantier, il aurait fallu mettre des panneaux de signalisation. C'eût été plus prudent. Ben, je vous le fais pas dire. Au fait, à quoi c'est-il que ça sert, ce trou? Oh, je suis sotte. Je ne vous ai pas expliqué. C'est tout simplement ma future piscine que je suis en train de construire. En forme de pied? Je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat. Mais pourquoi ne pas avoir conçu une piscine traditionnelle? Bonne question, Monsieur Luxpo. Les formes habituelles des piscines me lassent. Rectangulaires ou carrées, quelle tristesse. J'ai pensé que mes courbes gracieuses épouseraient à merveille cette forme originale de bassin. Ah oui, ça, Lola, je vous imagine faisant la nasse papillon. Oh, moquez-vous, moquez-vous. Vous serez peut-être content d'en profiter. Eh bien, justement, vous auriez dû en parler à tout le monde, Azalée. On aurait pu envisager une construction qui plaise à tous les amis. Ce serait une bonne idée pour les jours où il fait très chaud. Alors, je propose que nous agrandissions le trou d'Azalée. Et nous pourrons tous ensemble profiter des joies du bain. Oh, ben ça alors, c'est épatant. Mais, au fait, j'y pense, je sais point nager.